Il l'a annoncé le jeudi à l'annonce de la compo. J'ai été le dernier nom à sortir. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris parce que j'ai fait pas mal de réunions d'annonce d'équipe. Et là, pour une fois, entendre mon nom, c'est vrai que c'était assez spécial. Mais ouais, j'étais très content. Bah, très bien. Alors, sur le moment, j'ai eu un petit coup de stress. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit que... Franchement, une première à Aimé Giral, il y avait pire et qu'il n'y avait que du bon à prendre. Non, impeccable. Non, j'ai très bien dormi. Je pensais que j'aurais du stress, mais franchement, non. C'est très bien dormi. Bah, honnêtement, j'appréhendais pas trop. J'avais vu des vidéos, j'avais vu passer, je savais qu'il allait y avoir une très grosse ambiance. Le stade, il allait être plein à craquer. Et l'ambiance des Catalans, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Mais non, j'appréhendais pas. J'étais plutôt content que ça soit là-bas. Qu'il allait y avoir une ambiance comme ça, que ça allait être un beau spectacle, donc non, pas d'appréhension. Ouais, quand je suis rentré sur le terrain, alors le moment où je rentre, pas mal de stress, mais au final, ouais, non, beaucoup d'envie. Quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment sur le terrain avec tout le monde, franchement, je me suis dit, bah, t'as voulu être là, maintenant assume. Et ouais, non, j'ai surtout pas avoir de regrets et beaucoup d'envie. Bah, tout, déjà l'entrée sur le terrain, bah, déjà avec une ambiance qui était chaude. Et puis les 20 dernières minutes qui ont été pour nous quand même qui a été une très grosse fin de match pour nous. On a réussi à bien renverser le match. Donc ouais, non, j'ai en gardé que du positif. Et l'ambiance à la fin avec les supporters qu'il y avait, qui ont fait le déplacement, c'était assez sympa. Et après, dans le vestiaire, la fête aussi. Qui était aussi sympa. Ouais, j'ai vu Étienne qui a commencé à prendre le seau. Au début, il commence à me donner une bouteille d'eau. Je me suis dit, bon, on va faire ce qu'ils me disent. Et quand je commence à boire et que je vois Étienne qui lève le seau, j'ai compris ce qui allait se passer. Et, bon, non, c'était assez marrant. Bah, pour l'instant, bien finir déjà en espoir. On est bien placé au championnat, on devrait normalement pouvoir faire les phases finales. Donc déjà faire une grosse fin de saison en espoir et qui sait, peut-être essayer de refaire une feuille, j'en sais rien. On verra comment ça se passe, mais surtout en espoir valider cette bonne saison.